Vous avez la traduction en français, Jai Bhakti? Radha Krishna sont toute ma vie, amant divin et à l'éternelle jeunesse. Vivant ou mort, je n'ai d'autre refuge. Près des berges de la Yamuna, dans une forêt de Kadamba, sur un trône incrusté de joyaux, je les ferai asseoir tous deux.
J'enduirai leurs formes sombres et claires de pulpe de santal et de couas. D'un éventail, je les rafraîchirai tout en contemplant la lune de leur visage. Ayant enfilé les guirlandes de jasmin, je les mettrai à leur cou, puis j'apporterai des noix de Bethel camphrées. Suivant l'assentiment de Lalita Vishaka et d'autres Shakis, je servirai le lotus de leurs pieds. Oh, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, je suis le serviteur de ton serviteur et au seva intime de ce couple aspire profondément Narottam Das. Hare Krishna. Alors, on célèbre à l'avance l'apparition de Nishringadev, Nishringad Chaturdasi, parce que normalement, c'est un grand festival qui dure plusieurs jours dans certains temples. Donc, Rasa Lila a décidé qu'on commence aujourd'hui, mardi, alors que Nishringadev, c'est dimanche. Mais bon. Elle m'a dit qu'il y aurait ce serait un festival, comme ça, tous les jours, il y aurait des gens qui parleraient. Mais finalement, je m'aperçois que je suis le seul à parler. Comme d'habitude, ce n'est pas grave. Donc, Nishringadev. Qui est Nishringadev? Nishringadev, c'est Krishna lui-même. Hein. On chante Keshavadritam Narahari Rupa. Hein. Krishna est Keshava et Nishringadev est indirectement le même Keshava. Et Srila Narayana nous a appris qu'en fait, Nishringadev, il est le chakra, le Sulashan chakra de Krishna, hein, une de ses armes. D'ailleurs, chaque fois qu'on installe un chakra dans un temple, on offre des prières à Nishringadev. Et dans le Nishringa Kavacha, les mantras de protection par Nishringadev, ce sont les mantras en fait de Sulashan Chakra, les mêmes mantras. Les mantras que Maharaj Ambarish a offert à Sulashan Chakra en le priant d'épargner Durvasa Muni, ce sont les prières qu'on chante comme protection pour invoquer Nishringadev. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Hein. Srila Narayana, je l'expliquais que la bénédiction principale de Nishringadev, c'est qu'il protège les dévots. Donc, on l'invoque pour la protection, pour notre protection. Donc, le Sulashan Chakra qui avait sauvé Maharaj Ambarish, c'était Nishringadev. Le même Sulashan Chakra a tué Shishupal. Il n'y a aucune différence entre eux. En fait, toutes les armes dans les mains de Krishna se manifestent comme les incarnations de Vishnu. Donc, il n'y a pas de... il est à la fois une personne, mais en même temps, il est un instrument de Krishna, il est son arme. Comme par exemple, lorsque le Seigneur s'est manifesté sous la forme de Ramachandra, ses frères, ils représentaient par exemple différents attributs du Seigneur. Par exemple, Bharat, c'était la conque de Krishna. Non. Et Shatrughna, il était le chakra. Donc, différentes manifestations du Seigneur ainsi apparaissent. Mais on dit qu'il y a trois formes très spécial qu'on appelle les formes Paravashta. Donc, les six qualités de Krishna, les six qualités du Seigneur, elles sont pleinement manifestées dans Nishringa, dans Ram et dans Krishna, qui manifestent successivement plus de pouvoir. Et la relation entre Nishringadev, Ram et Krishna, c'est comme une lampe allumée à partir de la lampe des six pouvoirs du Seigneur. Ça, c'est Rupa Goswami qui explique ça dans son Laghu Bhagavatamrita. Donc, Ram a manifesté plus de douceur que Nishringa et qui manifeste plus de puissance. Il y a une gradation dans la puissance et une gradation dans la douceur. Krishna manifeste plus de douceur, Ram un peu moins, Nishringadev un peu moins. Par contre, Krishna manifeste,
moins de pouvoir que Ram et Nishringa encore plus que Ram. Donc c'est trois formes spéciales qu'on appelle Paravashta Avatar, le Seigneur lui-même directement, et Ramachandra et Nishringa Devi. On n'adore pas normalement les autres avatars. Hein. On n'adore pas Kurma, Parasuram ou Varaha. Ou... C'est-à-dire, le jour de leur apparition, on rend un culte, mais ce n'est pas qu'on les vénère comme on vénère Nishringadev tout particulièrement. Parce que Nishringadev, on l'invoque spécialement pour la protection. D'ailleurs, je me souviens, Narayan Maharaj, une fois, disait, en reprenant une citation de Prabhupada, qui disait, le problème avec vous, les Occidentaux, c'est que vous n'avez pas peur de Maya. Et Sri Narayan disait, oui, vous pensez que vous n'avez pas à craindre Maya. Mais en fait, Maya est très puissante et très dangereuse, et vous devriez prier pour être protégé de Maya. Et qui priait Nishringadev? Il dit, est-ce que vous priez Nishringadev? Non. Il dit, moi, je le prie tous les jours. Sri Narayan disait ça, je prie Nishringadev tous les jours de me protéger contre les assauts de Maya. Mais en Occident, on pense, non, Maya, c'est une vieille copine, c'est une vieille paire de jeans auquel on est attaché, c'est une vieille jupe qu'on aime bien. On n'a pas cette crainte. En Inde, les gens ont peur de Maya, mais nous, les Occidentaux, on est tellement inconscients qu'on n'en a pas peur. Mais on devrait en fait implorer tous les jours Krishna qui nous protège de cette sorcière de Maya. Elle est une sorcière parce qu'elle nous met dans la confusion quant à notre véritable identité de serviteur de Krishna. Elle ne nous permet pas de nous souvenir que nous sommes des âmes et que nous sommes les serviteurs de Krishna, les servantes de Krishna. Donc, on a besoin d'une protection contre elle. Et la protection, spécialement, c'est Krishna qui l'accorde, et spécifiquement dans la forme de Nishringadev. Hein? Okay? Donc, ce même Nishringadev, il apparaît plusieurs fois, en fait. Hein? Sri Narayan Maharaj, dans un des premiers livres qu'il a publié, il explique que la plupart des avatars, ils vivent dans l'univers matériel, mais ils ont aussi leur planète dans le monde spirituel. Par exemple, il explique que, ça c'est Rupa Goswami, Kurma, il vit dans un lac à Mahatal, hein, la cinquième planète infernale. Donc, Matsya, il vit dans un lac à Rasatala. Narayan vit à Badarik Ashram. Varadev, il vit à Maharloka. Non. Sheshanaga vit à Patala Loka. Hari vit au-dessus de Brahma Loka. Non. Advita vit sur Dhruva Loka. Vamana sur Bhuvar Loka. Et Tapa Loka. Et Brahma Loka aussi. Et aussi la partie supérieure de Brahma Loka. Nishringadev, lui, il vit sur Jana Loka, hein, une planète de l'univers matériel. Mais ils ont également leur planète dans le monde spirituel. Et certains avatars, ils apparaissent plusieurs fois. Donc, par exemple, Matsya Avatar, il apparaît à la fin de chaque Manvantara, à la fin de chaque règne d'un Manu. Donc, dans un jour de Brahma, Matsya Avatar, il apparaît 14 fois, hein, puisqu'il y a 14 Manu ou Manvantara dans un jour de Brahma. Et lui, Nishringadev, il a plusieurs formes de divertissement, on appelle Vilas Murti. Et par exemple, Lakshmi Nishringa, et il a plusieurs couleurs, plusieurs activités qui sont mentionnées dans les Puranas. Donc, ces formes de Nishringadev, elles sont visibles donc, sur Janaloka, comme je disais tout de suite, également dans la demeure éternelle de Vaikuntha. Donc, plusieurs formes. Narayan Maharaj disait, par exemple, que dans le sud de l'Inde, ils adorent Ijyar Nishringa. Il y avait un paysan qui avait semé du maïs, et tous les jours, quand le maïs était mûr, il y avait un sanglier qui venait manger son maïs. Alors,
Vous savez, en Inde, les paysans, souvent, ils se font une espèce de, comme une estrade dans le champ un peu en hauteur, sur lequel ils peuvent s'asseoir pour surveiller, comme ça, il n'y a pas de serpents qui viennent les embêter, et ils peuvent voir un peu de haut. Donc, ce paysan, il avait décidé de se cacher le soir pour voir, mais ce sanglier, il voulait l'attraper ou lui faire peur. Et donc, le soir, le sanglier est venu manger son maïs. Le paysan a commencé à crier, à courir après avec un bâton. Et le sanglier est parti en courant. Puis à un moment, il s'est retourné et il a pris sa forme de Varaha en disant, mais tu m'offres, tu es mon dévot éternel, et le maïs, c'est ma nourriture préférée. Donc tu m'offres ce maïs et quand je viens le manger, tu te fâches. Pourquoi ce problème-là? Pourquoi ça se passe comme ça? Tu devrais construire un temple pour moi en haut de la colline. Alors, ce temple est très spécial parce que une fois par an, cette forme de Varaha, qui est adorée dans le temple, elle change sa forme, elle se change en Ishringadev. Parce que le Seigneur n'est pas différent. Donc, c'est une Murti de Varaha qui se transforme une fois par an en Ishringa. On l'appelle Ijyar Nishringa. C'est dans le sud. Et Narimaraj dit que donc Nishringadev est apparu plusieurs fois. Il est apparu pour protéger Prahlad. Une fois, il est apparu aussi parce que, sous la forme d'un énorme chat, il dit à cette époque-là, Matrachakri, les femmes avaient pris trop d'importance sur la terre et menaçaient de détruire la terre. Donc Nishringadev est apparu pour solutionner ce problème. J'espère qu'il n'y a pas de féministes qui nous écoutent. Elle serait indignée. Je ne fais que répéter ce que disait mon maître spirituel, Sri Narayana Maharaj, mon Siksha Guru et Sannyas Guru. Donc, Nishringadev, il a plusieurs formes. Il apparaît, c'est-à-dire qu'il apparaît plusieurs fois, également dans plusieurs formes. Tout comme il y a un Varaha qui est blanc, Svetavaraha, et un Varaha qui est noir. Il y a d'autres avatars qui apparaissent également plusieurs fois. Par exemple, Vamanadev, il est apparu trois fois dans un jour de Brahman. Et nous, on connaît surtout le Vamanadev qui est apparu pendant le sacrifice de Bali, mais il est également apparu à d'autres moments. Donc, il y a plusieurs incarnations de Nishringadev. Srila Gaura-Govinda Maharaj, il a écrit un article très, très intéressant où il parle de l'avidité du Seigneur. On dit toujours que l'avidité, c'est une des trois portes qui mènent vers l'enfer, comme décrit Krishna dans la Bhagavad Gita, et que si quelqu'un est avide matériellement, définitivement, il devra souffrir. Je me souviens de Srila Gaura-Govinda, je donnais l'exemple. En Inde, pour attraper les singes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une banane dans le trou, dans un morceau de bois qui est creusé, hein, qui est attaché avec une chaîne. Donc, devant les singes, un homme va mettre une banane dans le trou. Et aussitôt, un singe va s'approcher, mettre la main dans le trou pour prendre la banane. Et après, quand il veut sortir sa main, avec la banane dans la main, il ne peut pas la sortir. Mais à cause de son avidité, il ne va pas lâcher la banane, il va se faire capturer. Et également, il donnait l'exemple d'un enfant, hein, qui a vu un jour sa mère mettre des petites baies dans une jarre. Mais la jarre avait un goulot assez étroit. Alors le gamin, il a fait pareil, il a mis la main dans le pot, il a attrapé les baies et il a essayé de sortir. Mais comme le singe ne pouvait pas sortir sa main avec la banane dedans, il ne pouvait pas sortir sa main avec les baies. Donc, ça, il a commencé à tirer, ça lui a fait mal, il a commencé à pleurer. Et bien qu'il souffrait, il ne laissait pas
Ce n'est pas les baies. Il a fallu que sa mère le vienne, lui explique, lui dit, tu peux pas sortir ta main avec les baies, il faut que tu lâches les baies. Alors là, quand il a sorti, l'a lâché les baies, il a pu sortir sa main, mais il avait la main toute rougie. Donc c'est un exemple pour dire que l'avidité, sa conséquence directe, c'est la souffrance. Mais on sait que tout dans ce monde a pour origine le Seigneur suprême. Et on retrouve cette avidité transcendantale, bien sûr, dans le Seigneur suprême. Donc la graine de cette avidité, Sri Gaurangamaya du Sec, elle s'était développée graduellement. Et finalement, elle avait culminé dans Gauranga Avatar, avec les trois désirs, hein, de Gauranga Mahaprabhu. Donc les acharyas, ils ont expliqué comment cette avidité s'est développée graduellement. Tout d'abord, Vishnu, le Seigneur Narayan de Vaikuntha, il a développé l'avidité pour se battre. Hein. Il a six qualités. Une d'entre elles, c'est la puissance, la force. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il veuille utiliser cette force. Donc, il a désiré se battre, mais à Vaikuntha, personne ne va oser se battre avec lui, parce que tout le monde le considère comme le Prabhu, le grand maître, celui qui donne les bénédictions. Et personne ne va même oser penser qu'il pourrait se battre avec lui. Donc, son désir de se battre n'est pas comblé et il développe donc de l'avidité. Et chaque fois que le Seigneur veut satisfaire un désir, automatiquement, sa lila shakti, son énergie de divertissement, yoga maya, elle fait les arrangements. Et donc, c'est pour ça que quand le Seigneur de Vaikuntha a voulu se battre, Yogamaya a fait venir les Kumaras à la porte de Vaikuntha. Elle a fait l'arrangement pour que Jayavijaya ne les laisse pas rentrer, que les Kumaras se mettent en colère, qu'ils les maudissent. Et ainsi, le Seigneur a pu satisfaire son désir. Alors, certains disent qu'on tombe du monde spirituel, mais quand Shukadeva Goswami racontait donc cette histoire à Maharaj Parikshit, celui-ci a dit, je ne peux pas accepter. C'est impossible de tomber du monde spirituel. Comment est-ce que. Alors, Narada Muni. Narada Muni. Shukadeva Goswami a dit, effectivement, personne ne tombe du monde spirituel. Et la soi-disant chute de Jayavijaya dans des portes du monde spirituel, en fait, c'était un divertissement du Seigneur. Ce n'était pas une chute, c'était dû à leur préma. Ils avaient tellement d'amour pour leur Seigneur qu'ils souffraient que le Seigneur ne puisse pas satisfaire son désir de se battre. Et donc, Yogamaya a fait l'arrangement pour que le désir du Seigneur soit satisfait et leur désir de satisfaire le Seigneur soit également comblé. Hein? Mais donc, ce n'était pas une chute, c'était un arrangement spécial pour que le Seigneur soit satisfait et que ses dévots également puissent exprimer leur préma de cette manière-là. Sinon, Prabhupada dit en conclusion, la conclusion c'est que personne ne tombe du monde spirituel, puisque c'est la demeure éternelle. Éternel, ça veut dire qu'il ne peut pas changer de situation. Donc, si vous êtes un être éternellement libéré, un Nityasila, vous ne pouvez pas être Nityasila pendant des millions et des millions et des millions d'années, et puis un jour arrêter d'être un Nityasila, devenir une âme conditionnée en tombant dans le monde matériel. Éternel, je répète, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est immuable. La situation ne change pas. Et quand des compagnons éternels du Seigneur descendent dans le monde matériel, alors ils ne sont pas affectés par l'énergie matérielle. Yogamaya les recouvre, et donc ils pensent qu'ils sont les âmes conditionnées comme les autres, mais ils ne sont jamais touchés par l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on dit le maître spirituel. Il a des pieds pareils au lotus. Le lotus, il pousse sur l'eau ou sur la boue, mais il n'est jamais touché par eux. De la même façon, un maître spirituel qui descend du monde spirituel, ça c'est la qualité suprême du gourou, un Nityasiddha qui descend du monde spirituel, quand il descend au monde matériel, il n'est pas affecté. Et chaque fois que Krishna descend, il importe avec lui toute une escouade pratiquement illimitée de ses purs dévots qui viennent l'assister dans ses divertissements. Donc, quand ils descendent, ils ne sont pas affectés par le monde matériel. Juste, ils sont recouverts
comme je disais tout de suite, et ils pensent qu'ils sont des âmes conditionnées. Mais en fait, ils n'ont pas de karma, ils n'ont pas de souffrance, ils ne connaissent pas les conditions des âmes conditionnées. Donc, le Seigneur voulait se battre et Yogamaya a fait les arrangements. Et dès qu'il a entendu que les Kumara avaient maudit ses serviteurs, tout de suite, le Seigneur s'est précipité sur les lieux en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il leur a dit « Je ne peux pas changer les paroles de mes dévots, les Kumara. Ce que je peux faire, c'est ajuster la chose. » Donc, je vous propose un deal, on peut dire. Je vous propose un arrangement. Soit vous descendez dans le monde matériel cette vie comme mes dévots, et ensuite vous revenez ici. Soit vous descendez trois vies comme mes ennemis, comme des démons, et ensuite vous revenez ici. Et ils ont répondu, comme dit Prabhupada, « Then we will become your enemies, sir. » Eh bien, nous allons devenir vos ennemis, sir. Mais en fait, tout ça, c'était un lila pour la satisfaction du Seigneur. Ce n'était pas une chute. Alors, le Seigneur donc, a désiré se battre, a développé cette avidité, et elle a été comblée par la chute, entre guillemets, de Jai et Vijay, qui sont devenus des démons trois fois. Hein. D'abord, ils sont devenus Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana et son frère Kumbhakarna, et finalement Shishupal et Dantavakra. Dans ces trois avatars, le Seigneur s'est battu avec eux, il a dérivé une grande joie. Ensuite, l'avidité du Seigneur a continué à germer et elle s'est manifestée dans Nishringadev. Nishringadev, il a deux types de formes. Ugra, terrible, et Anugra, paisible. Donc, après avoir tué Hiranyakashipu, Nishringadev, il a pris cette forme Anugra, terrible. Il a dansé, une danse pratiquement comme la Tandavanritya, la danse de Shiva quand il détruit l'univers. Donc, tout le monde tremblait. Et les Devas étaient là, Brahma était là, et ils avaient tous peur. Et ils offraient des prières au Seigneur, mais ils étaient apparemment incapables de l'apaiser. Ils ont prié Lakshmi Devi d'approcher Nishringadev pour l'apaiser. Elle a dit, j'ai jamais vu mon époux sous cette forme-là, j'ai peur, je ne peux pas y aller. Alors, ils ont vu que le petit Pralan, lui, il était là, en train de regarder Nishringadev avec des yeux pleins d'affection. Donc, ils ont dit, bah, lui, ce petit gamin, il n'a pas peur. Donc, ils lui ont mis une guirlande dans les mains. Ils ont dit, bah, vas-y. Ils l'ont poussé devant, vas-y, vas-y, toi. Donc, Pralan s'est approché de Nishringadev. Il a mis la guirlande, le Seigneur a baissé la tête, il a mis la guirlande autour du cou et il l'a pris sur ses genoux. Et il est devenu complètement calme. Et quand il l'a mis sur ses genoux, il a ressenti à ce moment-là de l'affection, Vatsalya Prem, qui s'est manifesté en lui. Donc, envers Prahlad, comme si c'était son fils. Parce que le rasa d'affection, le père et le fils le savourent. Le père savoure ce rasa de Vatsalya envers son fils et le fils le savoure. Mais des deux, on dit que c'est le fils, l'enfant, qui savoure davantage. Donc, Nishringadev, il a développé ce désir, cette avidité. Comment est-ce que je pourrais m'asseoir sur les genoux de mon père ? Puisque dans cette incarnation, mon père, c'est un pilier dans le palais de ce démon. Donc, je ne peux pas m'asseoir sur les genoux de mon père, c'est un pilier. Et je n'ai pas de mère dans cette incarnation. Donc, à partir de là, après Nishringadev, tous les avatars, ils acceptent des parents. On voit qu'avant lui, Varaha, Kurma, Matsya, ils n'ont pas de parents connus. Nishringadev non plus. Mais après, il y a chaque fois que le Seigneur apparaît, il accepte ses dévots comme des parents pour pouvoir savourer Vatsalya du point de vue de l'enfant, du fils. Après, il y a eu l'avidité du Seigneur Ram et finalement l'avidité de Mahaprabhu avec ses trois désirs.
Non, l'amitié de Krishna d'abord, et qui a comblé ses désirs sous la forme de Mahaprabhu. Le désir de comprendre l'amour de Radharani, comprendre quelle qualité en lui attire tellement Radharani, la rend tellement heureuse, également goûter ce que goûte Radharani à travers son amour pour lui. Ça, c'était les différentes formes d'avidité du Seigneur. Donc, Nishringadev, on peut l'implorer pour être protégé. Alors, Prabhupada avait introduit les prières de Nishringadev pour la protection du mouvement. Donc, on se pose pas la question, est-ce que moi, je prie Nishringadev pour être protégé? Parce que c'est une protection qui est nécessaire, mais que peut-être on néglige. Il y a toutes sortes de mantras pour Nishringadev. Je me souviens à un moment, comme quand j'étais brahmachari, ça remonte à loin, j'avais appris plein de mantras. Et brahmachari, on était tous dans Nishringadev, c'était notre héros, on peut dire. Il y a différents mantras de Nishringadev qui expriment des hommages de différents dévots. Par exemple, les hommages de Srila Swami, le premier commentateur du Bhagavatam, le plus ancien. Il a écrit Praladari Dayaladam, Bhakta Vidya Vidaranam, Sarodinduru Chinvande, Parindra Vadanam Harin. J'offre mes respects à Srini Sringadev qui illumine constamment Prahlad de l'intérieur de son cœur et qui tue l'ignorance qui attaque les dévots. Sa miséricorde se répand comme la lumière de la lune et son visage est pareil à celui d'un lion. Je lui offre encore et encore mes hommages. Ugropi anugra evayam sabaktanam nukeshari keshari vasapotanam anisham ugravikrama. Bien que très féroce, la lionne est très douce envers ses lionceaux. De même, bien que très féroce envers les abhaktas comme Hiranyakashipu, Srini Sringadev est très doux envers ses dévots tels que Prahlad. Il y a un verset du cinquième chant. Om namo Bhagavate Narasingaya Namaste Jastejase Aviravibhava Tamo grasa grasa om svaha abayam abayam atmani bhuyishtam om shrom. Le bija mantra pour Nishringadev, c'est shrom. J'offre mes respectueux hommages au Seigneur Nishringadev, source de tout pouvoir. Ô vous qui possédez les ongles et les dents comme l'éclair, vainquez, je vous prie, mes désirs matériels semblables à des démons, mes désirs d'être heureux par des actes matériels. Puissiez-vous apparaître dans mon cœur et chasser mon ignorance, afin que par votre miséricorde, je puisse devenir sans crainte dans la lutte pour l'existence ici-bas. C'est une prière dans le cinquième chant. Om namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Haraye Adbhuta Singhaya Brahmane Paramatmane. Une autre prière, un autre mantra qui offre ses hommages à Nishringadev en disant qu'il est Brahman, Paramatma et Bhagavan. Et qui prie justement pour la protection. Om namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane. Haraye Adbhuta Singhaya. Tu es apparu dans cette forme tellement stupéfiante de Nishringadev. Accorde-moi ta protection. Voilà un petit peu sur Nishringadev. Quelques bribes de nectar glanées ici-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des protestations, des commentaires, des rectifications? Tu as un bhakti? Tu as une question? Oui. Justement, je me pose la question. Prabhupada, il est descendu du monde spirituel? Nous, ses disciples, on veut croire ça. Mais ça, c'est le point de vue, on peut dire la vision absolue, entre guillemets, du disciple. Et puis, il y a la vision relative des frères en Dieu. Si vous demandez aux frères en Dieu de Prabhupada, est-ce qu'il est votre frère spirituel, est tombé du monde spirituel, est venu du monde spirituel, ils vont dire, ben non, c'était un grand Vaishnav, mais ils ne vont pas le considérer comme un Nityasiddha. Mais Srila Bhaktivinoda Maharaj, il conseille, il dit, si votre maître spirituel est un Uttamadhikari, un dévot du plus haut niveau, c'est bien de le considérer comme étant Nityasiddha.
Parce que sinon, vous allez penser que s'il est devenu parfait, mais qu'il n'était pas parfait avant, alors peut-être que dans la transmission de la vérité à travers lui, il y a quelque chose qui a été perdu. Donc, il dit, c'est bien de considérer son maître spirituel Uttama Adhikari comme étant un Nityasila, quelqu'un qui est venu directement du monde spirituel. D'ailleurs, à ce sujet, Sri Lanka raconte une histoire très belle. Il disait un jour, il y avait un éléphant qui était en train de se divertir sur le bord de la Jamuna, sur le bord d'une rivière, avec ses femelles éléphants. Donc, il se baignait, il était en train de s'ébattre dans l'eau. Et tout d'un coup, un énorme crocodile a mordu la patte de ce roi des éléphants. On sait que le crocodile dans l'eau est plus fort que l'éléphant. Le crocodile hors de l'eau, l'éléphant va être plus fort. Mais dans l'eau, le crocodile est pratiquement invincible. Donc, le crocodile a commencé à tirer inlassablement. Et l'éléphant a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et finalement, il n'y avait que sa trompe qui restait à l'extérieur. Il était complètement submergé. Et les femelles éléphantes, quand elles ont vu leur époux ainsi englouti par les eaux, eh ben, elles sont parties. Et il paraît que quand on se noie, on se rattrape à n'importe quoi, même en morceaux de paille, n'importe quoi. Donc l'éléphant essayait désespérément de se rattraper à quelque chose dans son instinct de conservation. Et tout d'un coup, il a rencontré une fleur de lotus. Et une fleur de lotus, ça pèse quoi, 5 grammes, et un éléphant, ça pèse 5 tonnes. Mmh. Qu'est-ce qu'une fleur de lotus de 5 grammes peut faire pour aider un éléphant de 5 tonnes? Mais, chose étonnante, cette fleur de lotus a commencé à tirer l'éléphant vers l'autre rive. Et peu à peu, l'éléphant est sorti de l'eau. Et une fois pratiquement sorti de l'eau, il a donné un grand coup de pied dans la tête du crocodile et il l'a renvoyé dans la rivière en dégageant son pied. Et, chose encore stupéfiante, la fleur de lotus s'est transformée en une jolie jeune fille, une petite kishori, une petite gopi. Elle a touché l'éléphant. Et en touchant l'éléphant lui aussi s'est transformé en jolie petite jeune fille, en jolie petite kishori. Et la kishori, donc la kishori fleur de lotus a pris la main de la kishori éléphante, entre guillemets, et ils ont commencé à aller le long de la rive jusqu'à un endroit où Radha Krishna était assis dans un bosquet de Kalikadamba, un bosquet avec des fleurs Kadamba qui sont très odorantes. Et donc, Krishna aime bien les cueillir, faire des guirlandes pour Radharani ou les gopis les cueillent pour Krishna, comme ça. Et là, Radha et Krishna étaient assis l'un à côté de l'autre, entourés par leurs Sakhi et Manjari. Et à la grande stupéfaction de l'éléphant, la fille éléphant, la fille de Lotus a repris sa place dans les mains de Radharani. On dit que Radharani, elle a toujours un lila kamal, un lotus qu'elle fait tourner, dont elle fait tourner la tige entre ses doigts, un lotus qui aide dans les divertissements. Pardon, quand Krishna est très coquin, Radharani peut lui taper sur le nez avec cette fleur de lotus en disant « Hé, vilain garnement, comment tu oses me parler comme ça ?» Donc cette fleur, on dit, c'est un lila kamal, un lotus pour les divertissements. Et la fille éléphant, on peut dire, anciennement éléphant, a compris que en fait c'était Radharani qui avait jeté personnellement cette fleur de lotus dans la rivière pour la sauver. Mmh. Alors Sri Lanka Maharaj explique, cette rivière en fait elle représente le monde matériel dans lequel on est en train de couler mordu par le crocodile de Maya, et le maître spirituel il est cette fleur de lotus envoyée par Radharani. Donc chaque disciple devrait penser, mon maître spirituel m'a été envoyé personnellement par Radharani pour me sortir de ce bourbier du monde matériel. Mmh. Voilà. Belle histoire. Mmh. Donc, nous, d'ici de Prabhupada, on considère, oui, qu'il est descendu du monde spirituel, même si ce n'est pas la vie de ses frères en Dieu ou d'autres. C'est très joliment dit. Mmh.
Mais il a souffert quand même, puisque il a souffert, il a été malade. Prabhupada. Ça, c'est Srila Gaura, j'expliquais que dans cette maladie, entre guillemets, il y a un rasa particulier entre le pur dévot et Krishna. C'est une occasion pour lui de dépendre encore plus totalement du Seigneur et il y a un goût particulier dans cette relation. Je me souviens de Srila Gaura Maharaj, quand il était souffrant, il avait une main qui a commencé à suinter comme du pu. Mais c'était, ils ont analysé, ce n'était pas du pu. Et son pied aussi, un de ses pieds suintait également comme ça, un liquide. Alors ça a duré, je ne sais pas combien de temps, tout le monde était très dans l'anxiété. Et les médecins ont analysé. Et alors, ils ont voulu opérer. Opérer de quoi? On ne sait pas, puisqu'il n'y avait rien. Juste ce liquide qui coulait. Ils l'ont opéré et bêtement, dans l'opération, ils lui ont bousillé un tendon. Ah bon? Le tendon de son auriculaire, de son petit doigt de la main gauche. Donc après, à cause du tendon qu'ils ont dû rattacher après, le raccourcir. Donc il avait le petit doigt qui était... Et la même chose à son pied, à un de ses pieds, ils l'ont aussi mal arrangé. Donc après, il ne pouvait plus, il boitait, il ne pouvait plus, il avait besoin d'une canne. Et pour offrir ses dents d'abattre dans le temple, il fallait un dévot de chaque côté pour l'aider à s'allonger, à se relever. Et tout le monde était dans l'anxiété, « Oh, Gurudev, Gurudev !» Mais quand j'en ai parlé, il me dit, « Ils sont tous en anxiété, mais pas moi, il n'y a aucun problème. » Et dit, mais dans cette maladie, il y a une relation particulière, une douceur spéciale avec Krishna. Donc, on ne peut pas. On dit dans le Chaitanya-charitamrita, c'est très difficile de comprendre le comportement d'un pur dévot. Vaishnava la Kriya Mudra Vigena Bhujai. Même un grand érudit ne peut pas comprendre ce qui se passe chez un pur Vaishnava. On dirait qu'il souffre, mais c'est une souffrance apparente. C'est comme la séparation. La séparation, elle est décrite comme étant dans Krishna Kaviraj, dans Chaitanya Charitamrita, dans un même pot, un même pot. Vous avez du poison et du nectar. Donc, prema, l'amour de Dieu, ça se manifeste extérieurement comme des symptômes de grande souffrance, comme si vous étiez vous brûliez, vous consumiez par l'effet du poison d'un serpent. On dit ça allie la morsure fraîche d'un serpent avec la douceur incomparable du nectar. Donc les symptômes, c'est de la souffrance, mais chez la Gogona, je dis toujours, cette souffrance danse sur la tête de la plus grande extase. C'est-à-dire que cette souffrance, en fait, c'est une autre forme d'extase. La séparation et l'union, c'est deux formes d'extase, mais qui prennent deux formes différentes. Une d'union, une de séparation. Et dans la séparation, il y a des symptômes extérieurs de souffrance, mais en fait, à l'intérieur, on goûte la plus grande extase. Mais Gurgovind Maharaj, il savait qu'il était, il savait, il le sentait qu'il était, qu'il vient du monde spirituel. Je ne sais pas, mais il disait toujours que le maître spirituel descend du monde spirituel. Alors, il ne parlait pas de lui-même, bien sûr, il parlait de Prabhupada. Et c'est un principe, parce qu'effectivement, la plus haute sorte de gourou, le gourou idéal, on peut dire, c'est quelqu'un qui vient du monde spirituel. C'est comme Prabhupada disait que Srila Bhaktisiddhanta, il venait directement du monde spirituel. Bhaktivinoda avait prié le Seigneur de lui envoyer quelqu'un pour l'aider parce qu'il n'arrivait pas à s'acquitter de sa mission de rétablir le Vaishnavisme qui avait été complètement recouvert à une période en Inde. Il a demandé à Krishna de lui envoyer quelqu'un de son entourage personnel. C'est pour ça que Prabhupada disait, mon maître spirituel, he was a Vaikuntha man, il était un homme du monde spirituel. Mais je suis en train de penser, mais Gurgovinda Maharaj, pourquoi il s'est fait opérer? Il savait que ce n'est pas une maladie qu'il avait ici. Oui, mais les médecins l'ont tellement tarabusté, ses disciples aussi, donc il s'est laissé faire. D'ailleurs, l'opération, ils ont essayé de l'endormir, bien sûr.
Ah ouais? Et ils ne pouvaient pas l'endormir. L'anesthésie n'a pas marché. Il leur a dit, non, mais opérez, vous faites ce que vous avez à faire. Et donc, ils l'ont opéré sans anesthésie. Et pendant ce temps-là, lui, il chantait Hare Krishna. Ah. Tout comme Narayan Maharaj, même chose. Mais là, il avait une opération à cœur ouvert. Ah bon? Pareil, ils ont essayé de l'anesthésier. Et l'anesthésie ne marchait pas. Et ils lui ont dit, mais on ne comprend pas. Il dit, non, vous ne pouvez pas me retirer ma conscience. Opérez, faites ce que vous avez à faire. Il était allongé pendant plusieurs heures, le cœur ouvert, et il chantait les versets du Bhagavatam. Donc, à la fin de l'opération, tout le personnel médical, tous ceux qui étaient dans la salle d'opération, ils sont devenus ses disciples. Le chirurgien en chef, les infirmières, les assistants, l'anesthésiste, tout le monde est devenu son disciple. Ils n'avaient jamais vu ou entendu une chose pareille. Non. Quelqu'un se faire opérer à cœur ouvert et rester conscient et chanter des mantras pendant l'opération. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Nos maîtres sont extraordinaires. Vraiment spécial. Ah oui, c'est pas que tous les gourous sont à ce niveau-là, loin de là. Ouais, ouais. Ce sont des maîtres d'un calibre exceptionnel. Mais là, il n'y en a plus, là, maintenant, à l'âge de Kali. Mais depuis... Il y en a toujours, chez la Gogonga, je disais, il y a toujours des Mahabhagavat sur Terre. Sans leur présence, le monde ne pourrait pas exister, tout comme il ne pourrait pas exister sans lune et sans soleil. Ah oui. Les Mahabhagavat, les Uttamadhikari, ils sont les ornements de la terre, et sans elles, elles ne pourraient pas subsister. Donc il y a toujours, même dans les périodes les plus noires, dans l'âge de Kali, il y a toujours un ou deux Mahabhagavat qui sont là. Non. Je me souviens, chez la Gaura, je disais, Krishna envoie des cordes du monde spirituel. Il y a des cordes, là, vous ne les voyez pas, mais il y a toutes sortes de cordes. Non. C'est les purs dévots. Invisible alors. Oui, et les se manifestent. Par exemple, Srila Gaugamana Maharaj, pendant des années, il était à Bhubaneshwar, à essayer de construire le temple qu'on ne pourra pas lui avoir ordonné. Personne ne le connaissait. Et puis, il est venu en Occident. Il est venu la première fois en 1985. Il a commencé à prêcher et tout d'un coup, les gens l'ont découvert. Il est revenu en 86. Après, il y a eu cette soi-disant maladie, donc il est parvenu avant 90. Mmh. Et il était toujours là, mais personne ne le connaissait. Narayan Maharaj, il prêchait dans la Gaudiya Math depuis toujours. Mais c'est seulement dans les années 80. Quand Prabhupada est parti, c'est lui qui a mis Prabhupada en samadhi, à la demande de Prabhupada. Et après, il y avait juste quelques dévots qui allaient le voir. Et puis tout d'un coup, en 95, Krishna l'a mis, en 96, la même année où Srila Gaugamanaj est parti, il a commencé à prêcher. Krishna l'a mis sur la scène internationale et tout le monde a découvert Narayan Maharaj. Il était toujours là, mais c'est juste que c'était pas son heure à ce moment-là d'être sur la scène internationale. Excusez-moi. Vas-y. J'aurais une question qui n'est pas d'autre qui est pas sur ce sujet-là, si vous avez quelque chose. Je vous ai coupé. Vas-y. J'aurais une question sujet de est-ce que vous pouvez développer pourquoi à une époque les femmes elles avaient pris le pouvoir et que je n'ai pas de détails. Narayan Maharaj n'a pas donné de détails. Il a juste mentionné voilà, ce Nishringadev qui est apparu sous la forme d'un énorme chat pour ramener à la raison Matri Chakra, l'agent féminine. Matri, c'est des femmes. Matri Chakra, un groupe de femmes qui avait pris trop d'importance et donc qui menaçait le monde. Mais il n'a pas donné de détails du tout. Et où est-ce que je pourrais trouver ces détails-là, si vous savez? Ah, ça, je ne sais pas. D'accord. Ouais, ça va bien venir de quelque part, d'un Purana quelconque, peut-être Nishringa Purana, je ne sais pas. Ouais. OK. Il a cité ça, c'est dans une classe, donc ils l'ont mis dans un livre, mais il n'a pas donné de détails du tout. D'accord. Merci.
Très bien. Eh bien, on peut chanter encore un petit peu. On peut chanter pour les chingaler. Namaste, Narasimhaya. Namaste, Narasimhaya. La 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 Shinga!